C'est lui ? Regardez ce char ! C'est celui de Richter ! C'est lui ! Le salopard qui nous a chassés de notre beau pays ! Alors, papa, vous n'êtes pas content ? Pourquoi je le serais pas ? Ils vont sûrement vous donner une promotion pour ça ! On va tous avoir une promotion pour ça ! Je voulais pas de cette promotion. Pas comme ça, en tout cas. Je vois ce que tu veux dire, Dix. Ah, je veux dire, sergent. Ah, ça va, appelle-moi Dix, ok ? Ok, va pour Dix. Je croyais que les Français avaient déjà nettoyé le secteur. Faut croire qu'ils ont bâclé leur boulot. La forêt est farcie de mines et de barricades. Faut la nettoyer pour le deuxième bataillon. Ce serait pas plutôt un boulot pour les gars du génie, chef ? T'as bien raison, sauf qu'on n'a pas de nouvelles des gars qui ont envoyé le bataillon depuis deux jours. Prends deux hommes avec toi et couvre notre progression. Nous, on passe par là. Pas de bruit. Attention, poste d'observation allemand sur la colline. Éliminez cette mitrailleuse! Mes poches, j'essaie de respirer!
au sud de notre position. Ici! Affirmé! C'est Krupin! Un des gars du génie porté disparu! Qu'est-ce qui s'est passé? Les Boches! On est tombé sur un vrai nid dans. Ah! Un genre d'entrepôt! Les Français ont dû les rater! En voilà une surprise!
L'entrepôt est sûrement près de la route principale, par là. On s'en occupe. Huxley, prends deux hommes, vous partez en connaissance. Ok. Guzzo, Nichols, avec moi. Ces enfoirés ont massacré toute ma section. Va t'en sortir, soldat. Bon, on y va, les gars!
Fermez !
à lancer des fumigènes. Si on élimine cette barricade, on devrait s'en tirer. Et on est censé détruire ça comment? Avec ce magnifique mortier qui sert à personne. We'll be right back.
C'est bon pour la barricade. Le reste de la forêt est aussi sous contrôle. Guzzo, message au commandement. Secteur nettoyé. C'est le même commandement qui nous a dit que la zone était dégagée? Tu me fatigues avec ta grande gueule, Guzzo. Peut-être que le sergent s'en accommodait, mais pas moi. C'est pigé? Ouais, c'est pigé, sergent. Tu l'as bien cherché, Guzzo. À ce qui paraît, ça a tourné au vinaigre. Les gars, les Américains sont vraiment en rogne. On était censé prendre le contrôle de cette rivière il y a des jours. Le commandement est trop timoré. La chance sourit aux audacieux. C'est pas facile avec les Boches qui assaisonnent nos convois. Vous savez, on en a vraiment plus pour très longtemps, sergent. Croyez-moi, plus pour très longtemps.